Capitale de reggae soit Jacques-Ville. On te remercie, madame. On te remercie. Louange à Dieu qui nous a permis d'être présents ici ce matin pour magnifier cette diversité culturelle. Pour faire un tour à Jacques-Ville, madame Dagri organise les 24 reggae. C'est pour cela que je suis là. Un instant, gros malais. Nous sommes aujourd'hui le combien? Mais aujourd'hui, le 11 décembre, oui. La date de 24 heures reggae, bien le sûr. Le 11, n'est-ce pas? Bien sûr. Je ne mange pas, je ne bois pas, je ne paye pas le loyer. C'est cela que tu fais cette tête? Écoute, je pense toujours à toi. Allez, tiens. Cette enveloppe pour toi. Je fallait commencer par là. Il y a. Pour 2 mois. Mais dis donc, qui suis-je pour toi? Ma chérie, bien sûr. Ta chérie, regarde-moi très bien. Ma robe, ma chaussure, ma coiffure. Je coûte plus de 3 millions d'euros devant toi. Ne me compare pas au fil de 1000 francs la nuit que tu ramasses dans les rues de chaque ville. Ok? Prends ton enveloppe et sors de chez moi. Pardon. Hein? Essaie de me comprendre. Hein? Es-tu obligé de garder une maîtresse? Mais ça se voit. Ça, regarde, ça se voit. Écoute. Je coûte un peu trop cher pour toi. Je ne suis pas de ta catégorie. Ah non. Ne me raconte pas d'histoire. Je t'ai toujours donné assez d'argent. Ces 2 mois étaient durs pour moi, c'est tout. N'oublie pas que j'ai 2 femmes et 12 enfants à la maison. Tes problèmes, je m'en fiche et je m'en balance, ok? Bon, écoute, chérie, hein, on va essayer de se comprendre. Allez, tiens, une autre enveloppe, tu vois? Voilà, là il y a 200 000, là il y a 100 000, 300 000, ça peut aller. Comprends-moi, ma. Ces 2 mois, j'aurai des difficultés à joindre les 2 bouts. Ça peut aller. C'est compris. Mais la prochaine fois, je n'aimerais pas user de palabres pour recevoir mon Dieu, d'accord? On peut faire la paix. Je peux m'asseoir, ouais? Tiens. Allez, tu vois. Tiens ça. Dépasser les limites. Alors là, non. Quelle limite? Vous dépassez les limites. Je ne sais pas, vous renifler mon odeur comme des chiens à la chasse. Partout, vous me suivez. Sortez! Doucement. Il t'a pas donné l'argent. Il est venu chercher femme. Arrêtez-moi ça. Tenez les 300 000 que votre mari. Hey, moi, je t'ai donné 300 000. Je t'ai arrêté le plancher. Moi, je t'ai donné 300 000. Je n'ai rien. Regarde, quand je suis arrivé ici, là, j'ai demandé à Spyro, mais mon grand frère, donne-moi c'est lui qui m'a donné 50 000. Je t'ai donné l'argent. Je n'ai rien. Quoi? 300 000 francs pour une seule nuit. C'est pas pour moi. Nous sommes criblés de crédit et menacés d'être expulsés de l'appartement. Les enfants.
monsieur ne s'est fait aucun souci. Aucun souci. Préparez beaucoup. Mais tu ne vas pas l'argent. Pas l'argent pour préparer. Préparez. Il préfère passer des moments mielleux avec sa maîtresse, expédiant sa famille à la misère. Quel égoïsme. Quelle inconscience. Quel crime. Ma chérie avait 12 enfants sur les bras. Eh hey, mon Dieu! Je ne t'en veux pas, petite gasse! Laisse-moi passer, y'a quoi? Va passer, tu vas où? Tu vas aller où? Seulement la vieille femme, toute froide. Elles sont cruelles et sadiques. Quand tu suces une jeune fille de ton âge, tu ne penses guère à son devenir, mais à l'insatisfaction personnelle. Aujourd'hui, tu es une jeune fille pleine de jus. C'est ça qui est quoi? Tu te crois la plus belle dans ses papous. Madame Tadier Geneviève nous pousse à quatre. Messieurs le président, les générations de Mambert et Moukoua, mes chers amis artistes, vous qui nous font l'honneur de venir à Jacquesville après avoir passé 3 années sur Abidjan, désormais, vous êtes fils de Jacques Ville. Anne de Maistre, représentant de l'UNESCO, chers chefs traditionnels, chères autorités religieuses, chers amis artistes, merci à tous d'être ici à Jacques Ville pour cette 8e édition du festival Les 24 heures du reggae. La culture, on dit que c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et je pense que peu de gens se rendent compte que si les artistes ont l'air si libres, c'est parce que leur principale richesse, c'est justement leur culture. Vous pouvez rentrer chez un artiste, emporter sa télévision, ses appareils, son argent, mais vous ne pourrez jamais lui prendre ce qu'il fait de lui, ce qu'il est, son art, sa culture, son essence. Madame Anne Lemaistre, représentant de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, vous avez voulu, madame, consacrer votre temps à la population de Jacquesville qui, chaque année, depuis un certain temps, organise ses soirées ou ses journées. Nous avons fait le déplacement aujourd'hui pour être avec vous, madame. Au nom des responsables de Jacquesville, chef du village d'abord, chef de terre, au nom de toute la génération de Jacquesville, je vous dis merci. Merci pour cette considération d'avoir pour nous. Que Dieu vous bénisse. Je salue les autorités traditionnelles et religieuses, monsieur Villard. Merci de votre intervention. De saluer bien sûr la présidente et fondatrice de ce festival et de l'ONG J'aime les enfants. De saluer Kajim, bien sûr, en tant que coordinateur de ce festival et tous les artistes qui l'accompagnent. De saluer mesdames et messieurs de la presse qui est avec nous ce matin, merci beaucoup de nous accompagner et de donner de l'éclat et de l'écho à ce festival. Et puis vous tous, les participants ici de Jacquesville, habitants de Jacquesville, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est pour nous à l'UNESCO un plaisir toujours renouvelé de venir ici et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour 3 raisons que je vais vous expliquer rapidement. La première, c'est peut-être vous connaissez un peu l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour la culture, l'éducation et les sciences. Mais surtout, nous avons dans notre constitution quelque chose qui dit que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est dans l'esprit des hommes et des femmes qu'il faut construire les défenses de la paix. Donc, à travers nos programmes d'éducation, de culture, de science, nous essayons de construire les défenses de la paix
et il est vrai que nous nous inspirons beaucoup de feu le président Fouad Boigny, non seulement parce qu'il a dit que la paix est un comportement de tous les jours, au quotidien, avec tout le monde, et que ce n'est pas facile, il faut le reconnaître, mais c'est beaucoup plus facile quand on le fait dans la joie et dans l'amour, bien sûr, et, mais également parce qu'il a été le fondateur du concept de la culture de la paix, qui a été un concept qui a irrigué non seulement l'UNESCO, mais aussi les Nations Unies. Donc voilà, donc nous menons énormément d'actions dans ce sens. Je ne vais pas tout détailler, mais notamment par des manifestations sportives. Nous avons organisé beaucoup de maracanas à travers le pays, de matchs pour la consolidation de la paix entre des communautés qui étaient en conflit. Et puis, pour le plaisir d'être ensemble, pour la cohésion, des manifestations culturelles. Et les 24 heures du reggae ici à Jacqueville incarnent parfaitement le genre d'événement que nous souhaitons soutenir pour la cohésion sociale, pour la paix, pour le développement local et durable d'une communauté. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, je vais être un peu plus rapide, le reggae. Le reggae, vous devez le savoir, a été reconnu par l'UNESCO récemment, en 2018, comme étant la manifestation culturelle la plus représentative de la Jamaïque. Et dans le reggae, il y a tous ces messages. Le reggae est une musique de justice sociale, mais qui invite également à la tolérance, à l'amour et à la paix. Donc il y a dans tout ceci une cohérence pour pouvoir soutenir également ce festival. Et je tiens à féliciter Kajim, qui est une étoile du reggae que l'UNESCO suit assidûment. Et puis la troisième raison, c'est Geneviève. Voilà. Alors Geneviève Dagry, je la connais du point de vue institutionnel et puis au fil du temps personnel. Et Geneviève Dagry incarne le dynamisme, la générosité, la détermination à faire du bien à sa propre communauté, ici à Jacqueville, aux enfants, à la communauté Rasta, à l'ensemble de sa génération aussi. Et c'est aussi cela que nous souhaitons célébrer en venant ici. C'est aussi pour soutenir ses actions courageuses. Voilà, bravo Geneviève. Je déclare ouvert le 8e festival 24 heures du reggae ici à Jacqueville. Beaucoup de succès. Je remercie Madame Anne Lemaitre de sa présence effective sur le lieu du festival, les 24 heures reggae d'Abidjan, comme on le disait. Bon, maintenant, on va dire Jacqueville. Je suis très contente pour la 8e édition parce qu'un enfant, quand il commence, il fait les quatre pattes. Après, il apprend à s'élever et ensuite, il commence à pleurer. Moi, je pense qu'en ce moment, je me suis levée. Grâce à elle, je me suis levée. Et je suis très contente parce qu'on a rajouté plein de choses à l'intérieur du festival. Elle m'a donné un peu... J'avais compris le message l'année passée que c'est vrai, on fait le festival, mais il faut qu'on rajoute comment vivre ensemble, comment on se parle, comment on donne des thèmes de paix, de cohésion sociale. L'UNESCO accompagne cette initiative parce que c'est une initiative autour de la paix et de la cohésion sociale et que l'UNESCO travaille beaucoup dans ce sens à travers ses programmes de culture, d'éducation et de sciences, tout naturellement. Et puis deuxièmement, parce que vous le savez peut-être moins, mais le reggae a été reconnu par l'UNESCO comme l'élément le plus représentatif de la Jamaïque. Donc nous avons reconnu le reggae au niveau international et pour d'abord pour ses messages de justice sociale
et également pour ses messages de tolérance et de paix. Je souhaite un plein succès aux 24 heures reggae et je souhaite ardemment que tous les Abidjanais viennent ici à Jacquesville pour pouvoir partager ce moment de créativité musicale et de joie. C'est pas toujours évident de le faire parce que c'est le genre d'initiative qui nécessite de gros moyens, qui nécessite l'adhésion de beaucoup de personnes. Et heureusement, au fil des années, les gens adhèrent, au fil des années, les gens comprennent l'esprit. On a espoir que dans les prochaines années, le festival atteindra une envergure encore plus grande et permettra donc à la scène reggae locale d'avoir un plateau d'expression de choix. Mais je suis très heureux d'être là. C'est la première fois à Jacquesville, c'est la première fois à cet espace. Mais c'est un espace merveilleux puisqu'il est en bordure, il est à côté de la mer, de l'océan et tout. Donc j'encourage vraiment les organisateurs à faire que cet espace grandisse, s'améliore et permette aux artistes ivoiriens de s'exprimer. Voilà. Bon, pour moi, le reggae, c'est une musique qui est une. Je ne sais pas si on a besoin de séparer, puisque déjà le reggae est fait par l'UNESCO, a été déclaré comme patrimoine international. Je pense que peut-être qu'on ne devrait pas séparer le reggae ivoirien du reggae tel qu'il est. Il se suffit à lui-même. Le reggae, c'est une force internationale. Donc, je pense qu'il n'y a pas à séparer ça. Quoi. Un message, c'est que je suis revenu avec un album qui s'appelle Tour de Force. On me dit toujours à couche où tu es passé, où tu es passé. Je n'ai jamais abandonné la musique. J'étais plus actif sur du côté des États-Unis et autres, de l'Occident. Mais je me rapproche un peu plus de l'Afrique et puis de la Côte d'Ivoire. Ça fait déjà deux fois que je suis là cette année. Donc, consommer Tour de Force, il a été fait d'abord pour les Africains, pour les Ivoiriens, pour mon peuple. Donc, consommer Tour de Force et je suis là, ben, il y a beaucoup de grandes choses qui arrivent dans le futur. Ce que j'ai à dire humblement, il faut toujours féliciter la presse que vous êtes, les organisateurs, la population de Jacquesville, les autorités de Jacquesville, la région des Grands Ponts, c'est le festival. Et je les invite à tous s'impliquer, à plus communiquer là-dessus. Et j'invite aux promoteurs à plus de communication, à plus de renforcer encore l'organisation dans sa méthodicité intense, pour qu'on puisse avoir accès à certaines choses. Ce n'est pas facile. Et rien n'a jamais été facile dans ce monde-là. Même quand on mange, c'est difficile. Mais il faut toujours oser. Lorsqu'on choisit de faire quelque chose, on choisit de se rassembler pour abreuver les âmes égarées avec la reggae, qui est une musique de lumière. Je pense bien qu'on doit encore redoubler les choses. On doit encore s'accorder comme une guitare pour que les choses réellement prennent leur envol. Sinon, c'est bon. Chante pour la paix, ici et ailleurs. Et amour entre nous, que le Christ leur règne entre nous. Paix et amour.
absence nous a traumatisé. Il y a 10 points. Tension en musique, il y a 10 points. Aptitude scénique, il y a 10 points. Habillement, 5 points. Gestuelle, 5 points. Voix, 10 points. Au total, 50 points. Voilà. Yes, sir. Donc, dans ce sens, on va passer du gagnant jusqu'à celui qui n'a pas gagné. Rastafari. Deuxième position. Nous avons Jah Lévitique. Et en première position, applaudissez très fort pour De Passe. Il a eu beaucoup de problèmes techniques, mais on a quand même pu voir ce qu'il faisait. Félicitations. Je dis d'abord merci à l'éternel Dieu qui nous a tous unis, rien que pour la paix et la cohésion sociale. Seul l'amour qui est base de la paix. Aimons-nous tous, chers frères et sœurs. Je finis. Alors, le premier prix sera remis par Madame Dagri. Allez-y. Un mot pour lui. Bonsoir. Est-ce que vous encouragez les autres à venir participer au Mécatoré? C'est pour voir encore participer, encourager toutes les personnes qui font les centres système en Côte d'Ivoire de croire en ce qu'ils font parce qu'il y a toujours une Provence pour vous. Est-ce que vous aimez ce que vous voulez? Bien sûr que oui, parce que c'est au nom de l'amour et la paix et la cohésion sociale. Le deuxième prix sera remis par le président des chefs, M. Dagri. Décidément, les Dagri sont à l'honneur. Le président des chefs à Laja et à Koury. M. Dagri, vous donnez le deuxième prix. Le deuxième approche. Et il est. Mettez-vous là un mot. Lévitique, en tant que président, je vous donne 140 pour qu'un jour vous deveniez aussi président de l'artiste. Le règlement. Donc on compte sur vous pour qu'un jour vous revoir au pas jamais pour que vous soyez le premier. Merci. Merci beaucoup. Je remercie Jah, je remercie tout le monde. Ce n'est pas un concours, mais c'est juste sensibiliser la population. Voilà, c'est l'idée de la paix et la cohésion sociale dont nous avons vraiment besoin. Merci. La photo d'ensemble, rapidement. Ceux qui n'ont pas remporté, vous pouvez venir. Hein, venez rapidement parce que les autres, vous pouvez venir rapidement. Petits instants. Il est l'ambassadeur de reggae music en Côte d'Ivoire. Se balade à travers l'Afrique, le monde, pour
doit confirmer que Abidjan est effectivement la troisième capitale mondiale du reggae. Yeah.
On fait la paix, ok? Avec les bras pour la sécurité, alright? Yes, I. Alors, Aburu Koutoui, Aburu Koutoui, Awara Katai. Aburu Koutoui, Awara Katai. C'est la première fois que je chante ça. Et je vais chanter ça avec vous. Allez, vous chantez. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde. Awuru Kutui, Awara Katai. Pai Awuru Kutui, Awara Katai. Pai Awuru Kutui, Kanya Kwawu Wara Kachaya Kachaya Kachaya. Ah, and I'm so high.
Réalité. Tu sais, reggae music, brave man, c'est la musique de l'esprit, c'est la musique qui véhicule des messages de paix, de one love. Tu sais, devant reggae music, nous sommes tous un ce soir. Il n'y a pas de Djula, il n'y a pas de Bété, il n'y a pas d'Aladjan, il n'y a pas d'Agni, il n'y a pas de Koyaka, il n'y a pas de Guéré. Tout le monde est là dans la même communion et c'est ça l'esprit 24 heures reggae. Hey, peuple, est-ce que ça va? Non, 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 écoutez, hein. Mathieu, viens rapidement. Bon, elle n'est pas innocente, hein. Mon petit, viens. C'est un seul tirage, hein. Hey, regardez bien vos numéros, c'est deux tirages. Les deux gagnent quoi? Commissaire? Troisième tirage, le woofer. D'accord. Donc, faut tirer Bassine rapidement, petit. Voilà, il a tiré premier, faut tirer deuxième. On applaudit, ça peut envoyer la chance. Il y a quoi? Numéro 63, 69, 262. 63, 69, 262. 6, 3, 6, 9, 2, 6, 2. S'il n'est pas là une fois, deux fois, il n'est pas là, on passe au prochain. Le prochain, c'est le numéro 63, 66, 590. 63,
66 590 6 3 6 6 5 9 0. Il est là. On l'applaudit très très fort. Voilà, il gagne une bassine 24 heures reggae. On l'applaudit très très fort. Royal Spirit. Are you ready? Les gars, c'est bon, vous êtes là? Vous êtes là. Félicitations. Ouais, c'est simple. Non, faut te calmer, viens, descends un peu. Bravo. 24 heures reggae. On a commencé, on a. L'ONG J'aime Jacquesville qui offre des tickets. Donc même si vous n'avez pas de tickets, on vous distribue des tickets. Et puis quand on dit tombola là, vous êtes dedans quand même. Donc en cas de cas là, ça peut sortir vainqueur. Ou bien. Merci beaucoup. Merci commissaire tombola. Et puis on enregistre le petit, la main innocente pour l'arbre de Noël. Bientôt avec l'ONG Koulibaka. On l'applaudit très très fort. Yeah, le Royal Spirit est installé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Brothers and Sisters, tout le monde est en jeunesse ce soir, non? Est-ce que vous êtes content? Vous voulez qu'on continue? 24 heures reggae, est-ce que ça va? Mais on est tous contents. Mais il y a un seul, ce soir, il sera content vers la fin. Mais d'entrée, il n'est pas content. Parce que quand il regarde les bonnes sciences, quand il regarde notre système, et quand il pense que nous sommes le corps, le temple de Jah, il va réjouir ce soir. Il vient de Bondougou. The lion is back! Brothers and sisters, pour un plaisir, voici qui? Give me a
Faites du bruit, vous dites comme ça, parce que tout à l'heure ça va monter encore très très fort.
praise to the Most High and I. Nostalgique, t'as le corps de ma vie.
Thank you.
Allez, Patricia Dalou.
salons.